Allez, petite vidéo pour vous faire voir ma borne Nintendo DS Lite. Bon, elle est complète. Je la filme parce que je la donne à un magasin de ma région. J'ai besoin de place et du coup, je voulais vous en parler un petit peu. De base, c'est exactement les mêmes que les DS Tank. Si vous voulez DS Tank, DS Fat. Sauf que les DS Tank, il y a marqué stop au niveau de là. Et pour les DS Lite, ils ont juste collé un panneau et marqué touch. Désolé, mon anglais il est pourri, touche quoi. Et le panneau arrière, bon, c'est juste du plexiglas avec un truc collé. C'est resté d'origine. Vous voyez, il y a la DS Tank, c'est celle-là, avec le logo marqué Nintendo DS. Et sur le côté, c'est marrant parce qu'il y a marqué ne pas marcher, jouer. Et c'est marrant parce que c'est, j'adore cette borne, mais. Mais je me réduis là maintenant. Et c'est un lampadaire avec un panneau. Franchement, j'ai toujours trouvé qu'elle était super classe. Bon, c'est pas vraiment recherché par contre comme borne. Mais comme exposition, enfin je veux dire comme décoration dans une maison, je trouve ça super joli. Pour tous ceux qui sont fans de jeux vidéo ou de bornes kiosques. Enfin voilà quoi. Je voulais faire une petite vidéo avant qu'elle parte. Voilà. Bon, la borne à côté, vous l'avez jamais vue, je ne l'ai jamais montrée, parce que je le ferai peut-être un jour. Voilà. Et puis ça aussi, pareil, à côté aussi, c'est pareil, j'ai jamais fait voir. Voilà. Le pied, il est quand même assez imposant. Je dois avouer que là, je ne sais plus trop combien il fait, mais je crois que c'est 70 ou 80 de diamètre. Mais cette borne, ouais, franchement, elle est sympa.